Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis pharmacienne au département d'oncologie à l'hôpital de Maria. Aujourd'hui, je vous parle de la stomatite. La stomatite est provoquée par la chimio qui cause des modifications temporaires au niveau de la bouche et des muqueuses qui la recouvrent. Les ulcères buccaux et les stomatites vont apparaître environ 5 à 16 jours après le début du traitement de chimiothérapie. Les soins préventifs de la bouche sont essentiels et ont pour but de réduire l'apparition et la gravité des stomatites. Pendant la chimio, votre système immunitaire peut être affaibli. La bouche est un endroit où on retrouve naturellement beaucoup de bactéries. La muqueuse de la bouche empêche ces bactéries d'entrer dans votre sang et de causer une infection. C'est pourquoi il est important de bien prendre soin de votre bouche. Comment peut-on prévenir la stomatite? Le comportement adopté pour garder sa bouche en bon état est tout simple. On commence par le brossage des dents ou des prothèses dentaires après chaque repas et avant d'aller dormir. Se rincer la bouche avec une solution d'eau, sel et soda après le brossage des dents. On évite tous les rince-bouches commerciaux qui contiennent de l'alcool qui pourraient assécher les muqueuses de votre bouche. Évitez la soie dentaire si cela ne fait pas partie de votre hygiène buccale car cela risque de faire des blessures aux gencives et briser la barrière naturelle contre les infections. Gardez une bonne hydratation de la bouche, c'est-à-dire boire souvent et de bien hydrater ses lèvres pour éviter qu'elles deviennent sèches. On peut utiliser un baume pour les lèvres. La détection. Comment peut-on savoir si on fait une stomatite? On peut grader le niveau d'atteinte de 1 à 4. Le grade 1 représente une atteinte légère où il y aura simplement de la rougeur, mais aucun problème d'alimentation ou d'hydratation. Le grade 2 est une atteinte un peu plus marquée, avec cette fois-ci l'ajout de la douleur au niveau de la bouche. Le grade 3 est plus sévère et rend l'alimentation ainsi que l'hydratation difficile avec de la rougeur, de la douleur et des plaies apparentes au niveau de la bouche. C'est avant d'atteindre ce niveau qu'on doit consulter au département d'oncologie par téléphone ou sur place. Enfin, le grade 4 est un grade qui met la vie du patient en danger. C'est vraiment très très rare. Peu de gens atteignent ce niveau. La plupart du temps, les gens consultent avant de se rendre à ce niveau-là. Même s'il n'y a pas de rougeur ou d'ulcère, si vous notez l'apparition d'une sensibilité ou d'une douleur dans la bouche, veuillez en aviser votre médecin. Lorsque votre bouche est douloureuse, on peut modifier son alimentation en mangeant des légumes cuits au lieu d'être crus. On évitera de manger aussi des aliments qui sont très épicés qui vont causer de la douleur au niveau de la bouche. Il est aussi préférable d'éviter les aliments acides tels que les tomates, les oranges et les pamplemousses. Il faut aussi éviter les produits laitiers qui contiennent des produits avec des probiotiques comme on retrouve dans certains yogourts. Il est également recommandé d'éviter les changements brusques de température au niveau de la bouche, c'est-à-dire de consommer des aliments très chauds et d'ensuite consommer des aliments très froids. Comment on utilise un rince-bouche? Bonjour, moi c'est Rose. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un rince-bouche maison. Premièrement, vous allez aller à l'épicerie, vous achetez une grosse bouteille d'eau. Ça c'est 4 tasses, ça c'est 1 litre. Vous pouvez également prendre l'eau du robinet, la faire bouillir et la faire refroidir et en verser 4 tasses dans un contenant propre. Dans le gargarisme, il va de la petite vache, du bicarbonate de soude, puis du sel. Ça prend 5 ml de sel et 5 ml de bicarbonate de soude. Ça, c'est une cuillère à thé. Fait que là, vous la brassez. Quand elle est brassée, vous la mettez un petit peu dans un verre. Pour pouvoir vous rincer la bouche. Un rince-bouche maison, c'est comme un bain de bouche. Il faut que ça aille partout, dans les joues, comme sur les lèvres, puis tout ça. Puis, vous devez vous rincer la bouche 1 à 2 minutes. Le rince-bouche que vous allez faire, il est bon 24 heures à température pièce, ou 3 jours au frigidaire. Fait que vous êtes mieux de le garder au frigidaire. En faisant ce rince-bouche-là 4 fois par jour, vous allez améliorer la santé de votre bouche. Si ce rince-bouche ne contribue pas à guérir vos ulcères, on peut utiliser un rince-bouche médicamenté. Ce
Ce rince-bouche va être prescrit par votre médecin de l'oncologie et il va être préparé par votre pharmacien communautaire. Ce rince-bouche, par contre, peut être avalé, contrairement au rince-bouche de prévention. J'espère que ces quelques renseignements vous seront utiles pour protéger votre bouche et garder une bouche en bonne santé. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le personnel du département d'oncologie de l'hôpital. Merci.